Ok les gens, content de vous retrouver pour un nouvel épisode sur Arcfaxia. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va chasser du giga comme convenu. Je viens de repérer un petit giga level. Regardez-moi ça. Faut que j'arrive à level 150. Donc je suis content maintenant. Il est pas endormi. Mais on va essayer de le faire. Donc j'ai préparé un petit piège. On va essayer de se mettre dans un endroit relativement calme. Par ici, ça me paraît pas mal. Il y a une wyverne là-bas, mais bon, ça devrait le faire. Je vais essayer de mettre mon piège par là. Voilà, il y a un golem, mais on va essayer de faire comme ça. Ici, on devrait être pas mal. Donc, j'ai préparé un piège en touch parce que ici, ça gêne pas. On peut le faire. Hop. On va faire un 4 par 4. Plus devant. Voilà. Hop. Ça va. Ici, on va monter des petits murs. Alors, est-ce qu'il se met le truc? Voilà, hop. Voilà, je vous passe la construction du piège et je vous reprends. Ok, donc mon piège est fait, comme vous pouvez le voir. Donc, je fais comme ça. Des fois, je mets des portes avec un piège à ours, ce genre de choses. Franchement, pour moi, le plus facile, c'est ça quand même. C'est l'idéal pour attirer la bestiole. Donc là, on va essayer d'y arriver. Je vais essayer de la faire passer par là, parce qu'il y a pas mal de golems. Donc on va essayer de la faire venir. J'essaie de pas trop se faire toucher. Hop. Qu'est-ce qu'elle va venir me voir? Ok, j'essaie de la mettre dedans. Il a pas l'air d'être intéressé par moi pour l'instant. On va essayer de se rapprocher un peu. Mince, le golem s'est levé, ça c'est pas ce que je voulais, mais à la rigueur pourquoi pas. Ça va l'attirer un peu plus loin. Ok, j'essaye de le mettre dedans et je reprends. Je vais tirer dessus avec une petite flèche. Ça a l'air de le faire venir. Mais viens mon petit. En général, ça marche assez bien, ça. On va recommencer. Poser là. Ah, ça a l'air bugué. J'ai le bug du fusil. Voilà, viens mon petit. Oui. Viens là-dedans. On va le laisser faire. On va voir s'il va venir. Hop. Allez, monte dans ce piège. On lui retire une petite flèche. Allez, moi je fais comme ça. Il y a plein de méthodes. Pas un souci. Allez, viens. Voilà. Normalement, il est dedans, donc là je suis sur un serveur où les dinos font pas de
de dégâts aux structures. Sinon, évidemment, faut pas le faire en touch. Faut le faire en métal. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Je revérifie juste si c'est le bon, parce qu'il y en avait un deuxième sur la map. Ok. Bon, bah on va essayer d'y aller. Je crois qu'il faut 150 flèches. 130 flèches. Donc, on va essayer d'y aller. C'est parti. Je vous reprends quand il est endormi. Ou... Là, je suis à 396 flèches. Voilà, ça veut dire qu'il va falloir que j'y en mette un bon paquet. Et donc, quand je serai à 265 flèches, 260 flèches à peu près, ça veut dire que j'aurai fini. En gros, normalement. Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre à peu près la moitié. Et donc, au niveau des BP, en fait, j'ai tombé à un BP Drex 157. Et j'ai échangé ce BP Drex avec Nestor, qui joue aussi sur le serve. Et donc, j'ai échangé contre un BP de Giga 117, 118 même. Et il m'a remis aussi un BP de Basilo 90, légendaire. Donc, j'étais content. Parce que moi les Rex pour l'instant en tout cas ça m'intéresse pas d'en faire, c'est vraiment je veux vraiment jouer sur la map extinction avec les gigas, donc j'étais content d'avoir un bon BP. Bon, je pense qu'on peut trouver mieux, mais en tout cas assez content d'avoir ce premier BP qui va me permettre, dès que je vais avoir de la repro des bons gigas, d'aller sur extinction, de faire les loot, de faire les boss. C'est vraiment l'objectif sur ce serve. Voilà, allez, on continue. Et je vous prends, on reprend normalement quand il dort. Encore un petit peu. Hein. Pas mal même, j'étais à 396. J'ai dit qu'il fallait aller jusqu'à 266. Donc il m'en manque encore une cinquantaine, une bonne cinquantaine. Donc, selon Dododex, il devrait me rester qu'une dizaine de flèches à lui mettre. Donc je vous conseille sur la fin. On va prendre votre temps sur les 10 dernières. Bon, ce serait dommage de lui mettre la flèche de trop, franchement. J'ai de le rendormir. Mais bon, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est pas évident. Allez, il devrait pas tarder normalement. Si Dododex s'est pas trompé avec le fusil que j'ai. Il tape plus la structure, donc c'est bon signe. Après, en fonction de la torpeur, des fois, ça joue. Mais normalement, on devrait pas être loin. Raté. Ok. Et voilà. Impeccable. Bon, on va aller chercher tout de suite, parce que j'ai oublié les narcos. Et puis le mouton, et puis je vous reprends. Alors je vais juste checker ses stats vite fait. Je vais vous dire s'il est bien ou pas. Il est moyen. Il est moyen, 205%, il est moyen. Pour avoir une bonne bête, il faudrait avoir du 240, du 245 avant TAM. Normalement il va perdre. Donc je pense qu'il va être autour de 185, 190. À moins que j'ai beaucoup de chance. Mais... ça m'étonnerait que ce soit une bête de course. On verra bien. Bon, bah je suis un gros naze. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas les tranques. Et puis il s'est réveillé. C'est hyper rapide, en fait, je me rappelais plus du tout. Je pensais que c'était beaucoup moins rapide que ça. Mais non. Ok, j'ai un bug de fusil. Parce qu'il a pas l'air de vouloir prendre les flèches. Alors, j'espère que ça va le faire. Il veut pas être buggy le machin. Ok, bon bah c'est reparti pour 130 flèches. Voilà, bon, vous c'est comme ça, vous saurez ce qu'il faut pas faire. Allez, je vous reprends. Un petit conseil, dès que vous pouvez, moi c'est pas le cas là, mais dès que vous pouvez, faites les flèches améliorées, tranques améliorées avec la toxine de méduse, parce que ça va beaucoup plus vite. Après moi mon fusil, c'est pas non plus le top du top, c'est 337.
contre 139, je crois. C'est déjà pas mal, vous allez me dire, mais il y a mieux. Donc n'hésitez pas à vous crafter les bons outils pour pouvoir endormir plus rapidement les gigas. Moi, c'est ce que je ferai dès que je pourrai. J'ai pas le niveau là actuellement pour les flèches tranquillisantes améliorées. Ok, je l'ai eu, mais il m'a fallu 50 flèches de plus que prévu. C'est bizarre, mais c'est pas grave. On va. Allez, où est-ce que t'as ton inventaire, toi? Voilà, on va lui mettre tout de suite les pots de narco. Ils disent 85, moi je vais en mettre 200. Et puis je vais lui en mettre. Je vais laisser les 200, histoire de. J'ai pas envie de le rendormir une troisième fois, pour être franc. On va suivre le trekking, hop. Et on va aller chercher du mouton. C'est parti. On va chercher un peu de mouton à côté. Normalement, il y en a. En espérant que ça le fasse. Mais il n'y a pas de raison. Allez. Normalement, il y a du mouton par là. J'ai pas envie de le faire à la prime, sinon je vais perdre des niveaux. Mais on va chercher des petits moutons. Bon, bah, j'ai pas trouvé de mouton. Il y a tellement de constructions sur le cerf que bah du coup les spots à moutons, bah ça le fait pas. Pourtant il y en a partout, partout, partout du mouton normalement ici. Et j'ai rien trouvé. Donc je suis un petit peu dégoûté. Je vais refaire un petit tour. Et sinon je vais le faire à la prime. Je pense qu'à la prime je vais perdre des levels, mais bon. Normalement ici il y a plein de moutons. Que ce soit ici, sur la montagne là-haut. J'ai fait le tour, j'ai rien, rien, rien trouvé. Et c'est vraiment très étonnant. Bon, il y a des allosaures qui traînent, donc des fois. Mais quand même, ça me paraît quand même super curieux. Et pas un mouton, alors que d'habitude, c'est blindé ici. Bon, bah pas grave. Je vais, ça me saoule, mais je vais le réveiller à la prime. J'ai pas de kibble de toute façon. Je vais juste refaire un tour en face, j'y suis pas allé. Ah, plus de stam, ok. Bah, je refais un petit tour et puis sinon, je le réveille à la prime. Ok, bah, je le fais à la prime. Je pense que je vais perdre quelques niveaux. Peut-être un ou deux. Peut-être pas, on verra. 62%, on va laisser tranquille. Pas qu'on se fasse buter par quelque chose. Je vais aller tuer les loups ici. Hop. Pour être sûr qu'ils attaquent pas mon petit giga. Ils peuvent faire quand ils sont en mode comme ça. Voilà. Je sens que je vais mourir. Sale bête. Bah oui, elle est pas extraordinaire, ça c'est sûr. C'est pas une ouïe de combat, c'est une ouïe de transport. On peut pas tout avoir. En me mettant là, peut-être que je les ai. Ok, bon, on va les tenir là comme ça devrait le faire. Ok, il lui reste à manger une fois, donc il devrait pas tarder. Je vais pouvoir ramasser mes petits sacs de couchage que je m'étais mis. Hop. On va attendre tranquillement qu'il se réveille. Et plus c'est tous les 50 ou les 100 qu'il mange. On va attendre 5 minutes. Donc a priori, je vais peut-être pas perdre d'efficacité de tamine. Là pour le coup, je serais content. C'est vrai qu'on est en x5, j'ai pas l'habitude de jouer sur des serveurs en x5. Mais c'est vrai que du coup, voilà, à la prime ça va très bien. D'habitude je le fais au kibble ou au mouton quand j'ai pas de kibble. Bon bah, c'est une bonne nouvelle, on va dire. Alors il lui reste combien de bouffe? Ouais, c'est ça, tous les 50. Et ben voilà. Notre premier giga du serveur. Je suis trop content. Level 224. Level max. Je suis hyper content. Ouhou! Petit giga. Alors, on va checker ses stats en espérant. Franchement, il est pris 195. C'est pas si mal. Vous avez dit 185. C'est très rare qu'ils prennent en plus. Mais ça arrive. Surtout sur des level max. Mais là c'est pas le cas. Par contre, il a pas mal de,
Il a pas mal de je sais pas trop quoi. Je vais checker ses stats. Je vais regarder. Hop. Exporter Dino. Et puis je vous reprends. Quand on est à la base, je vais virer évidemment mon piège pour pas polluer le serve. Et ça devrait le faire. Ok, retour à la base. Donc j'ai checké un peu les stats de mon giga. Bon, ben, il est pas si mal en fait. Enfin, pas si mal. En dégâts, il a 35 points. En vie, il a 20, 26 points, 25 points, je crois, 23 points même, je crois. Par contre, en nourriture, elle a 39, en poids, elle a 40. Donc au final, si je lui trouve une petite femelle avec un peu plus de vie, même si ça joue pas beaucoup entre nous, sur les gigas. Mais bon, comme ça me permettrait d'avoir une petite bestiole qui serait pas mal. Lui, on va le mettre en neutre. Hop. Bon, même s'il n'y a rien qui attaque ici, c'est pour ça que je m'étais mis là. Faire de la repro, ça va être génial. J'ai de la place et j'ai pas de dinos qui sont agressifs. Et puis je vais juste vous montrer mon petit BP, hop, que j'ai échangé. Voilà, BP de giga. Donc il est presque à 5000 lingots, 27 000 de peau, 14 000 de fibres. Donc ça veut dire, et puis j'ai échangé contre le aussi contre ça, avec ça contre mon BP de Rex. Un petit schéma légendaire de Basilo, ça sera bien si je veux faire des grottes, éventuellement sous-marines, ou même aller dans les fonds marins si j'ai besoin pour les loot. Donc voilà, donc bah, beaucoup de travail en perspective à mon avis pour pouvoir bah, farmer tout ça. Mais je ferai ça évidemment hors vidéo. En tout cas, bah, je suis très content. On aura eu notre premier giga, et c'est pas le moindre puisque c'est un giga level max. Voilà, donc c'est trop cool. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, je suis content. On a atteint le premier objectif que je m'étais fixé. Maintenant, je vais lui trouver une femelle, je ferai ça hors vidéo, je vais pas vous montrer chaque fois les tames. Il n'y a pas trop d'intérêt pour vous. Et on se dit à très vite pour la suite des aventures. Ciao!